C'est le calme avant l'entraînement. Pendant que les oiseaux se régalent sur le terrain officiel du MHSC, nous avons rencontré trois joueurs du club montpelliérain. Non, pour moi, bon, j'ai joué le foot des tout petits, hein, dans la rue, dans les quartiers. Parce que le Brésil, c'est comme ça. Dès qu'on commence à marcher, on est dans la rue en train de jouer le ballon. Sur les débuts, en fait, ce qu'il faut surtout pas faire quand on est tout jeune, c'est surtout au niveau des parents, de vouloir que leurs enfants soient professionnels. C'est avant tout la passion des enfants. Et il ne faut pas que... Voilà, qu'il y ait une projection des parents sur leurs enfants, ça risque de mettre un peu trop de pression. Parce qu'il ne faut pas faire comme j'ai fait moi. J'ai privilégié le football avant l'école. Et le plus important, c'est de bien travailler à l'école et après de ne pas se prendre la tête. Au Brésil, le 12 juin prochain débutera la Coupe du Monde de foot. Pourtant, le peuple continue de sombrer dans la précarité. L'amour du foot, bien sûr, mais à quel prix? Moi, je suis d'accord avec le peuple. Hein. Je pense que moi, j'ai de la famille là-bas. Je sais que ma famille aussi, ils ont beaucoup de difficultés par rapport à la santé surtout. Dès qu'on voit qu'ils ont dépensé des milliards pour construire un stade et qu'ils n'arrivent même pas à construire un hôpital. Alors que tous les passionnés sont dans l'attente de la Coupe du Monde, la situation sociale du pays reste préoccupante. Hausse des prix du transport, intervention de l'armée dans les quartiers pauvres. Camara, Hilton et Pionnier ne manqueront certainement pas de suivre la Coupe du Monde de football. En grand passionné.